Peuple haïtien, dans nos PAM, dans nos partis unis, nous saluons une autre fois encore mémoire président Jovenel Moïse. Nous saluons madame, petite, ak famille. Nous partageons peine ak peine toute nation. Moment à vivre là, triste en pile. C'est un moment qui m'a dit calme, réflexion, solidarité ak unité. Moment ça, c'est un moment de deuil. Car Jovenel Moïse était président tout haïtien. Ça te vote-t-il, ou ça pas de vote-t-il? On nous prend temps ça pour nous réfléchir sur l'histoire nous comme peuple. Réfléchir sur ça qui arrive, fait nous arriver dans la situation ça. Tout y est un président pas doué dans jouet politique là. Tout jouet c'est jouet, cochette pas la dalle. Réponse à ça qui passe à pas joindre dans violence, chiripite, division, ak bataille pour pouvoir. Réponse là, c'est dans travail ensemble pour mettre sous pied un pays côté la justice existait. Un pays côté nous passer avec zam pour touiller propre frein accès. Un pays côté tout monde égal égaux. Comme premier pays noir indépendant, nous devons montrer le monde entier que haïtien grand monde, nous ca chita parler, nous ca refaire l'histoire dans l'union tête ensemble dans l'amour dans réconciliation. Haïti pas péri. Nous cal travail main en main. Haïti pral changer, nous cal reprendre dignité. Haïti c'est un bel pays. Haïti c'est un pays qui a une belle histoire, la plus belle dans la paix, l'union et réconciliation. Merci en pile. Aujourd'hui, nous sommes très, très, très heureux d'avoir avec nous l'ancien journaliste vedette de la radio Métropole et le leader du Parti politique uni pour un entretien à la radio Télé-Sidaté. Son nom est M. Clarence Noir. Bon, il passe vraiment de présentation pour le cas et pour sa collaboration dans la lutte haïtienne, même avant le départ de Jean-Claude Duvalier. Et aujourd'hui, il est en Israël. Bon, c'est ce qu'il va nous dire, le mot. On aura vraiment un bon entretien avec lui où il aura à nous parler un peu et des années 86 et lorsque le président a laissé le pouvoir. Et la situation actuelle d'Haïti. La situation actuelle d'Haïti. Et comment vraiment on peut en sortir? Parce que c'est vraiment une crise sans précédent. Mais M. Clarence a participé à plusieurs émissions où il a toujours prôné le dialogue. Aujourd'hui, nous sommes très, très heureux de l'avoir avec nous. Il y a une information que je tiens à nous contenter pour nous gagner 11 amis, un monde vraiment qui travaille en plus en Haïti.
depuis même avant les années 86, à travers ses émissions à la radio Métropole, que je dis à qui c'est parti, et qui c'est président parti politique et uni, on le tient à la radio. Depuis Israël, bonjour Clarence. Bonjour Guy, c'est un plaisir pour m'avec vous et pour me répondre à une question. Bon, et que c'est Clarence, c'est plutôt c'est la Guy, c'est la Guy. Ah oui, Buto, bien sûr, Buto Espierre, d'accord. Oui, bon, et Karine, tout d'abord que M. Renoir, on s'en va commencer, dis-nous, bon, que crise là pour en Israël, est-ce que tu as dis-nous vraiment qui raison qu'il faut en Israël, je ne sais pas. Oui, effectivement, crise là pour moi, pendant moi, Israël, actuellement là, à Jérusalem. Vous pouvez comprendre que son voyage n'est pas capable d'eau spirituelle, parce que sur la Terre Sainte, m'a visité les lieux saints, m'a prié pour Haïti et me joindre monde qui a prié pour Haïti tout parce que pendant l'événement passé à moi rencontré un pile monistique qui très touché par ça qui arrivait donc voilà moi rencontré un pile monde et m'a pas cité non monio pour des raisons purement professionnelles et mais et, voilà c'est un voyage surtout qui gagne objectif de visiter les lieux saints que ce soit à Golgotha la tombe de Jésus ou encore la salle du dernier souper ou Bethléem côté Jésus était fait même donc voilà son très grande visite que l'on fait à Jérusalem. Donc réellement est-ce que vous avez chance d'avoir quelques Haïtiens tout et Israël ou bien Jérusalem? Oui très peu d'Haïtiens par contre c'est une communauté haïtienne ici là il est très difficile pour rencontrer tous pas de rendez-vous. Même pas vraiment rencontré un pile haïtien. Bon, que. Parlez que. Je connais que, bon, réellement, c'est parmi les anciens journalistes et vedettes de la radio Métropole. Et que, bon, énormément que pour un pile monde qui était proche, il y a même demandé peut-être que ça même engagé dans une carrière comme ça, parce que je connais que tout risque que ça dégage. Mais qui vraiment ça t'a motivé ou que, bon, réellement que pour devenir un journaliste et réellement tout le vécu est-ce qu'on parle de émission de Gondien dans les années 80 ouais. Alors ça te motive moi vraiment pas qu'on est mais t'as envie de peut-être de parler dans la radio parce que à l'époque dans les années 83 84 le m'était montré par au prince mais dame Marie la grande danse et bien des vedettes de la radio qui étaient intéressées au monde tant de radio. T'es gagné on est quand Richard Brisson, Gilbert Fonboin, Marcus Garcia tout. Et que on attendait et Bob Lemoine, l'autre des monde ça comme jeune garçon dit qu'on a envie faire radio tout, envie parler dans média ça, dans médium ça, au médium de communication et puis voilà, m'bin tombé là-dedans bon parce que m'étais grand habitude dans Marie tout dans fait théâtre parler avec des jeunes, etc., déclamer poèmes. Donc, tout le monde s'est emmené vers la communication, vers la radio. Et dans l'époque-là, on a commencé avec des émissions, c'est des émissions de musique que j'ai eu. Parce que dans la période que j'étais entré dans la radio Métropole, après 1983, 82, 83, Métropole n'a pas de nouvelles locales encore. Parce que j'ai arrêté expulsé journaliste, je n'ai pas encore songé ça plutôt. Et Métropole a fait une nouvelle internationale seulement. Et donc le ça même dès qu'on a les bulletins nouvelles et ensuite nous avons une petite émission de musique le dimanche après-midi que nous faisons avec des jeunes pour des jeunes de génération pas moins qui étaient dans philo qui étaient à peine fin fait et classe secondaire et tout et chaque dimanche après-midi dimanche variété dimanche détente côté c'est de belles textes n'a déclamé et en même temps tout belle musique de toutes langues créole anglais français espagnol et puis ça t'a fait un paquet de jeunes connectés dans la radio avant que m'bin transverser n'a capable dire dans nouvelle comme journaliste parce que dans fin année 85 c'était Métro Vacances 85 que n'était gagné au tap nommé d'ailleurs là en coulisses Pierre Hubert de Ronscré Valerio Saint-Louis des jeunes qui étaient très très dynamiques à quitter le domaine ça. Et ensuite, moi, je suis entré dans la communication à partir de 1986 à la chute de Duvalier, de Jean-Claude Duvalier, à faire une nouvelle dans la radio Métropole avec Philippe Jean-François, Jacques Jean-Baptiste et Michel, Georges Michel et les autres. Et qui est la plus grande expérience communale que vous vivez après le départ de Jean-Claude Duvalier? Parce que, par exemple, vous avez rencontré un paquet de monde
Et de Real Madrid, tout le monde était toujours content. Pour être à chaque fois que vous connaissez que vous avez une émission, soit comme journaliste, soit comme directeur des nouvelles de la radio métropole. Et qui plus grosse expérience vous avez vécu dans le moment ça? Bon, en plus grosse expérience en réalité, parce que vous rencontrez tout le monde qui était chef d'État, chef de gouvernement, provisoire ou élu pendant la période de 86, jusqu'à ce que je quitte le journalisme. Et une des plus expériences que je fais, je capable de dire, c'est avec le général Prosper Avril, qui était président. Alors, deux expériences. Avant Avril, c'est avec Franck Romain, comme magistrat à Port-au-Prince. Après massacre Saint-Jean-Bosco dans l'église que Père Aristide a dirigé, et je fais une interview avec lui qui a déclenché un paquet de mouvements, si vous voulez. Et c'était sous encore sous général Henri Nanfi à l'époque. Il sème le vent et colle la tempête, que le dit. C'est ça. Et ensuite, une grosse expérience. Alors, après interview, ça m'a obligé à cacher parce que mon team ne m'a pas persécuté, moi, etc. Deuxième expérience que je fais très tôt, c'est avec le général Avril. J'ai commencé des manifestations contre le général Avril. Et puis, je vous fais Radio Métropole, j'ai eu une chance à faire une interview avec lui. Et puis, je me demandais est-ce qu'il a démissionné parce que commencé des manifestations. Je me suis dit, oui, si mon demandé de démissionner, il va aller. Effectivement, pendant que sous salle Palais National, je me suis fait une interview dans la Cour Palais National. Je suis allé au Kitoki, je suis allé à Radio Métropole, je me suis dit, bon antenne, flash. Et puis, je me suis dit, maintenant, je me dis, général Avril dit, il a démissionné si mon nom manifesté, je vais aller. Et l'expérience, ça m'a mené à regarder qui ça, c'est que Manik saute dans le palais, je me regarde dans la rue, il y a plein de monde qui a manifesté, effectivement, parce que mon nom est très, métropole est très écouté. Et je te prends général Prosper Avril au mot, et lui-même tout, l'obligé de démissionner, l'aller. Bon, après ça, je rencontre tout l'autre chef d'État, ou chef de gouvernement. Et expérience qui vient traumatiser un petit peu plus tôt avant ça, c'était la première expérience que j'ai fait en tant que journaliste réellement, en 87, massacre des électeurs de la ruelle Vaillant, parce que j'étais présent dans le moment où le massacre s'est fait. Bon, que M. Renaud Béclarès, que 86, c'était peut-être pire d'espoir pour les Haïtiens, parce que même là, niveau presse là, que je suis capable de dire que devant presque tout le monde était réellement content, je suis capable de porter tout le monde, parce que réellement, ils étaient sans parler, ça n'a pas qu'à l'investir. Mais selon vous-même, et ça qui explique, et que je dis en l'année 2021, malgré tout espoir que quand l'investir s'était voté, avec le départ de Jean-Claude Duvalier, que nous encore là. Et nous sommes capables de dire qu'il y a une camionnette là que nous y est. Alors, c'est une belle question, plutôt. Il y a un pile facteur pour nous analyser, pour nous comprendre ce qu'il est la marche arrière que le pays a fait de 86 à 2021, pour ne pas manquer de progrès véritablement. Il y a un paquet de facteurs pour nous analyser. Il y a un facteur, on n'est pas capable de dire, c'est le facteur de naissance démocratie hein, qui est fait dans la condition que nous te connaissons. Tu as manqué de préparation, tu as manqué d'organisation. Un pile monde qui était en exil entré et moun yo pat antan yo pou konnen ki sa ou vle pou Haïti. Contrairement à ça qui est passé Philippines. Sous songe Philippines et Ferdinand Marcos était tombé quelques jours, deux semaines après Jean-Claude Duvalier était tombé. Mais les Philippines est entré dans une période de démocratie qui est solide et qui permet que le pays ça a développé sans problème. Mais nous-mêmes, malheureusement, c'est pas ça. Donc, ou gen premier problème, ça, c'était problème de manque d'organisation de l'opposition à Duvalier qui était très dispersée et divisée. Ça que monde sorti en Afrique, en Europe, Canada, États-Unis, République dominicaine ou Cuba, tout le monde s'est rentré et vient bon une sorte de confrontation entre toutes qui fait que on pas joindre nos résultats vraiment. Deuxièmement, ou bien des forces qui pas veulent changement tout. Ou bien des forces qui empêchent changement en fait. Ou un coup d'état fait surtout d'ailleurs après tout de suite après Duvalier finalé. Ou bien des forces économiques tout. Qui va faire les changements. Parce qu'il y a des privilèges que les gens ont gagné avec Duvalier, tout de suite, ils ont perdu du privilège. Les gens ne savent pas quitter. Et changement prend encore vraiment dans la société. Ça, c'est autant de facteurs. Et puis, nous avons dit tout. Nous avons un autre facteur que nous pouvons analyser, c'est que le secteur politique n'est pas arrivé à faire éducation au peuple pour connaître qui est la démocratie. Démocratie, c'est le règne de la loi. Et il faut qu'on respecte la loi. Il faut qu'on respecte l'alternance politique. Il faut qu'on respecte le respect. Il faut respecter l'adversaire là. Et pas un ennemi ou pour autant.
Et il y a un gros problème qui vient de poser là-dedans. Moi-même, c'est très tard, je m'analyse ma poêle. Mais écrit un livre côté sortir Haïti du chaos. Et nous entrons dans une sorte de chaos qui crée par une absence de dialogue. Pas de dialogue entre monde et monde en Haïti. Chaque monde veut imposer loi, force, désir, volonté. Et ça vient créer une grande cacophonie, confusion qui mettait nous dans ça, nous, journée aujourd'hui là. Et c'est une raison, justement, fait que moi-même, le m'analyser parcours historique, pays tentative de démocratie ou bien processus démocratique haïtien, hein, moi, ouais, puis gros manque dans ces dialogues-là. Et c'est ça qui fait, moi, entrer dans la politique, m'entrer dans unir, on partit qui a prôné, justement, la réconciliation. Donc, forcément, il faut qu'un dialogue pour capable de faire réconciliation. Mais, que tout parti politique que nous avons vu, le prétend que nous avons 12 millions, nous prétend que ça, tout parti politique, ça ouvre la reste. Parce que l'on regarde que le Canada, que nous avons parti conservateur, et que nous avons le groupe parti encore, là, c'est pas conservateur, c'est l'autre parti qui prend libéral, qui prend pouvoir. Et aux États-Unis, nous avons républicains, nous avons démocrates. Mais peut-être que ça, Haïti, qui est un petit pays, capable de tout parti politique, ça, selon moi. Ok. Il y a trois explications que nous avons tentées. Premièrement, selon moi-même, son soif de faire politique, d'accarrer qui la cause que nous avons tout parti politique. Ça. Pas oublier, pendant 30 ans du Valia, parti politique n'a pas d'exister, n'a pas qu'à exister. Donc, il y a une pile frustration. Lorsque du Valia vient aller, le champ politique l'a vient ouvrir, tout le monde a fait parti politique, pas yo, parce que il était réprimé, il n'a pas capable de quitter, exprimer. C'est vrai, il y a des partis politiques, tout coup, PDCH, PSCH. Et qui était embryonnaire, d'accord, et d'ailleurs qui était réprimé, qui pas même capable continuer travail. Donc le Duvalier, les d'accord, son gros ouf de soulagement, c'est un coup tout petit monde côté mettait en donc a été fait, mais on pas voulait qu'il était à jouer boule. Et ben coup ouvert porte là qu'on y a là, tout le monde courir à sous boule à jouer à la musée. Donc et c'est ça que champ politique là vient envahi par des partis politiques, chaque monde voulait pour nous chef de parti. Deuxièmement, c'est l'expression de la démocratie. La démocratie, c'est le pluralisme politique et que lié. Donc tout le monde a envie de faire expérience ça pour venir en parti politique, tout le monde vient envie de parler, faut que parler. Donc c'est l'expression de la démocratie. Et c'est j'aime d'capable dire encore envie de diriger pays. Et c'est une bonne chose quelque part, et pas une mauvaise chose, parce que si moun yo dit, ok, c'est pas grave faire violence, pas grave prendre les armes pour marcher chez diriger pays, mais passer par un parti politique pour mal la élection, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, troisième explication, nous t'as capable de sous lui-même, c'est que parti politique, pardon, pays, qu'on prend un exemple, au Canada ou bien les États-Unis, t'as capable de prendre la France, tout d'ailleurs, la France, pas qu'il y a deux partis politiques seulement, il y a plusieurs partis politiques. Les États-Unis, tout. Il y a deux grands partis politiques, mais il y a l'autre petit parti politique. Par contre, situation au Canada, bien. Mais le pays, ça a une longue tradition de démocratie qui permet que vous-même, vous n'avez pas fait la même expérience avec Haïti qu'a fait Jeunet Jodia là. Donc, voilà. Vous pouvez chercher explication à travers ça. Et puis, un quatrième facteur, son facteur purement haïtien. Haïtien, difficile pour l'entendre avec le monde. Chaque nègre voulait faire parti politique par eux et vous pouvez aller avec l'autre là. Et au Kababoué, ça, dans le jazz haïtien, chaque fois qu'on jazz qui commence à former, jazz a marché bien, mais on peut voir que puis devant, après quelques années l'écraser, chaque musicien a fait jazz par eux. Et nous manquons, on est capable de dire, capacité ça pour nous entendre nous ensemble, pour nous mettre intérêt de groupe, nous, yo, donc dans le cas d'un parti politique, sous intérêt, avant intérêt individuel, yo, et concernant le pays, mettez intérêt pays ya, avant intérêt groupe là-haut. Nous manquons de capacité ça, son apprentissage qui est capable peut-être à longue, mais espérer que nous avons fini par réduire le nombre de partis politiques yo, lorsque ou bien des partis qui ont des tendances idéologiques semblables ou rapprochées, qui sont capables de mettre tête ensemble, à bien partir à plus force que nous continuer à éclater ce secteur-là avec des partis minuscules. Donc, c'est sûr que vous posez ou touchez vos questions là, que ça t'attend, mais là, pour ne pas aller sous les plus devant. Mais de journalistes, je dis à leader et parti politique unis. Mais ça, parce que c'est pas une transition petite, et ça y est. Est-ce qu'on va expliquer nous vraiment qui est notre motivé ou
Ouais, parce que tout, parce que, comme moi, dis où, vous n'êtes pas mis les journalistes vedettes que nous avons. Moi, ça explique. Mais, alors, en réalité, moi-même, je ne sais pas si je me connais une vocation politique, sincèrement et plutôt. Si je me connais une vocation politique, je ne suis pas entré dans la politique, puis bonheur que je me suis entré. Peut-être que bon Dieu fait rentrer dans le moment que le développement entre tout ça, son autre bagaille. Mais qui j'ai entré vraiment? Moi, je suis entré après 2011, après ma télé fini élu président. C'est un choc que le pour mon génération parmi nous, pour nous dire, oh, le pays a pris Michel Martelly, mettez le comme président. Avec tout ça, nous prenons Martelly gagné comme passé. Et d'ailleurs, il racontait aussi publiquement, que ce soit expérimenté dans la drogue, dans toute qualité de bagaille, dans la musique, même si pas parlé tout le monde comme ça qu'on a fait, vulgarité, monsieur, obscénité, monsieur, etc. Son nez qui était dans Ninja, habillé en noir, avec Zama à la main, et pour faire et encourager coup d'état, ou bien, etc. Donc, un monde comme ça, qui n'a pas de moralité, et que le pays a accepté élu. Nous étions un groupe jeune, de génération moins. Nous disons, nous, monsieur, est-ce qu'on a prêté là pour nous tendre son job que l'État va nous, ou bien on a engagé nous tout dans l'action politique pour que nous capables nous-mêmes, by pays, à d'autres opportunités pour l'offrir d'autres monde. Alors, monsieur dit, Clarence, ou c'est un monde qui a crédibilité, ou c'est un monde que nous connaît, la génération noire en pile, que ce soit dans Port-au-Prince, ou fait plus que 25 ans, fait métier journalisme, et nous connaissons dans toute radio pour parler, que ce soit en province ou bien. Et à l'étranger, dans la Voix de l'Amérique, ou parler pour Radio France Internationale, ou intervenir dans plusieurs autres radios, CNN, par exemple, etc. Il faut qu'on entre dans la politique. Là, c'est ou même n'a pas de drapeau. Évidemment, je réfléchis, je me dis, est-ce que ça vaut le coup pour Haïti? Oui. Parce que quand on l'a arrivé, ou passé 40 ans, on dit tout, ou on approche de 50 ans, on dit tout, mais écoute, si je suis utile, il y a un peu d'activité politique. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on entre dans la politique. Et. Nous, à partir de ce moment, on commence à réfléchir pour un fonds parti politique, parce qu'il n'était pas question que nous allions à l'élection quand nous étions en Congrès 5, puisque tout parti politique qui a déjà verrouillé quelque part, ça nous-mêmes qui depuis proche nous idéologiquement, nous verrouillé, nous dit, eh bien, on nous fait un instrument politique nous-mêmes, qui c'est parti politique unir, que nous venons baptiser unir, et qui gagne la dernière, ça nous prouve valeur que nous transportons dans le cœur, nous, qui fait, nous sommes capables de nous-mêmes nous lier. C'est-à-dire, les gens qui ont une capacité pour union avec l'autre monde, les gens qui ont une intégrité comme valeur, moralité. Et ensuite, nous disons, nous, Jean-Pays a divisé la question de Makoute par là-dedans, la Valas par là-dedans, etc. Nous disons, nous-mêmes, nous pensons que génération par nous, on n'a pas qu'à entrer dans la même division, ça, faut que nous prenions la réconciliation. Et c'est ça qui erre dans la réconciliation, dans l'union. C'est union nationale pour l'intégrité et la réconciliation. Voilà, c'est par ce biais que m'entrer dans la politique et vin jouer tout de suite après, 5 ans après, vin candidat à la course présidentielle. Bon, je réellement que vous parlez de l'émergence de M. Martelly sur la scène, c'est une raison qui t'a fait que vous entrez, ou t'es décidé pour créer un parti politique, ou bien que vous t'es même venu et bon, et créer un parti ça. Mais selon vous-même, qui ça vraiment Piactica et Banou, ou et dans, non seulement sur le règne de M. Martelly, et même sur M. Jovenel, bon, qui mourit pour tout ça, et que peut-être en semaine de cela. Bon, écoutez, je pense que c'était une opportunité que nous avons eu pays pour gagner d'autres choix, pour sortir d'un choix traditionnel. Yo. Et que pour joindre une nouvelle génération de monde professionnel qui voulait engager yo pour yo servir pays. Yo. Et c'est sous ça que nous avons fait campagne non, d'ailleurs. Nous avons dit que nous avons fait une rupture avec champ, avec équipe traditionnaliste qui gagne en politique, et binôme droite et gauche, extrême droite, extrême gauche, etc. En nous regardant, c'est l'Afrique qui gagne, qui portait un élan, un parfum haïtien patriotique et que nous rassembleurs. Que nous capables de mettre sous pied. C'était opportunité ça que nous devons faire. Et deuxièmement, nous avons dit mon tout. Et moi-même, j'étais journaliste à l'époque, lorsque Martelly était dans candidat. Et moi-même, m'attendais que mon dit bah, au vagabond. Yo. Nous disons, nous, il faut nous dire pays, il n'est pas capable de dire que c'est vagabond pour le mettre sous pouvoir. Et puis, troisièmement, mon tendance qui est dans le pays d'Haïti, et où s'opposer ni là, quelque part, avec la question posée à Buto. L'on dit, bon, tout le monde est connu comme journaliste vedette qui s'est entré dans la politique. Tendance, c'est quoi? Tendance à se dire que, ah oui, un monde qui est sérieux pas doit entrer dans la politique dans le pays d'Haïti. Et nous-mêmes, nous pensons que c'est le contraire qui doit faire.
C'est les gens qui sont sérieux pour entrer dans la politique. C'est les gens qui ont une moralité pour entrer dans la politique. C'est les gens qui vont la politique, c'est les gens qui doivent entrer dans la politique. Et nous-mêmes en Haïti, alors, nous avons tendance à faire politique là à l'envers. Vous dites, bon, cher, comme politique, son bagage criminel, son bagage sanguinaire, son bagage de corrupteur et de corrompu, nous avons quitté le monde seulement. Mais non, il faut que nous changions personnel politique là pour nous sortir dans bon vagabond, moins bon criminel, moins bon magouille, pour nous entrer dans des mondes qui ont idéal pour le pays, des mondes qui ont un bon parcours de vie. C'est le monde qui est capable de confier le destin du pays d'Haïti. Et c'est ça que nous avons offert malheureusement. Et le peuple n'a pas compris ni dans ce sens ça. Peut-être tout qu'il était trop bonheur. Et peut-être que faut qu'il fait expérience matérielle ensuite pour devenir une expérience Jovenel Moïse pour comprendre la nécessité que dialogue son élément moteur de la démocratie. Dialogue son élément moteur des relations humaines déjà d'ailleurs. Nous pas besoin d'un conflit violent tout le temps, nous cap discuter, nous cap parler. Donc voilà notre discours, notre philosophie et nos valeurs et que nous pas attraper tout de suite et nous espérer que dans pas longtemps il va rejoindre nous. Bon. Et pour y aller, que nous allons parler un peu de l'ancien président Jovenel Moïse, que à travers un peu d'interventions fait que bon, que vous avez dit que vous avez une chasse rencontrer monsieur. Mais c'est capable d'écrire nous vraiment que rencontre ça, même que selon même, et vous avez un petit portrait de monsieur et comme président pour nous. Donc, bonne question, on pose là plutôt. Alors d'abord, sur rencontre. Et moi, songer après l'élection, parce que nous avons participé dans la course électorale, le ça et Jovenel était candidat à la présidence, tout donc nous étions sur le même pied, candidat pour candidat. Lorsque l'élection a fini, il est élu, moi-même, un geste que nous avons fait, c'était le premier monde qui avait geste ça en Haïti, moi, je voyais une note par monsieur et me fait déclaration dans la radio, je dis, monsieur, félicitations ou gagné, maintenant, bonne chance pour Haïti, nous souhaitons qu'on travaille pour Haïti. C'est où on. Attitude de démocrate. Moi-même, si ça me levait la dernière, l'homme d'a fait nouvelle, chaque fois que je regarde l'élection faite aux États-Unis, des bons candidats fait une perdue élection, hein, la nuit même des élections, eh bien, la félicité gagnant. Et me pensais que ça fait tout au Canada et dans certains autres pays qui ont une tradition de démocratie côté et adversaire, y a pas des ennemis. Et donc, moi, je souhaitais président bonne chance. Bonne chance pour lui-même et bonne chance pour le pays d'Haïti. Et ensuite, tout de suite après, nous venons tomber dans des crises politiques. Une crise politique. Évidemment, Clarence Renoir est un compétiteur en face de Jovenel, mais une fois que lui est président, il est président tout haïtien, dans moi-même. Que me dit ça, me voulait que moi j'étais dans l'opposition, mais il est président pays, il y a quand même. Le là, représenter Haïti en côté, il représente indirectement et directement quelque part. Si moi, et comment on est capable de dire ça? Si il décrétait un jour son jour férié que il mérite la caille, moi reconnaître que le bon autorité et que c'est président quelque part président tout le monde nié. Donc lorsque la crise a commencé très tôt, nous mêmes nous commencé par positionner dans la presse, nous retourner sous éléments qui était fait campagne nous. Nous dit c'est dialogue pour président fait. Faut président dialoguer avec adversaire politique lui. Et en tant que démocrate, président relé mon foi, demander me clarifier est-ce que me rencontrer avec vous, me dit pas qu'un problème. Nous rencontrer. Et moi pensais que le normal, un monde civilisé, un monde qui croit en démocratie, qui croit en dialogue, pour me rencontrer avec le président Jovenel Moïse. Moi, pas proche lui, moi pas travailler avec lui, moi pas jamais travailler avec lui. Et me déconner, moi pas jamais travailler avec lui tout, jusqu'à ce que le mandat finisse. Mais moi j'étais toujours prêté au jeu démocratique qui voulait que un adversaire politique, pas un ennemi politique à abattre, ou capable de parler avec lui. Effectivement, moi rencontré avec le président Jovenel Moïse probablement à deux ou trois reprises. T'es bon, là c'était la Kaili, t'es bon, là c'était la Palais National que j'étais invité. Et m'a rencontré lui en mars 2019, après crise, après séance renversée. Et je me songe une troisième fois, lui faire les mots par chef cabinet pour l'inviter, me dire ah, j'en prends critique sur le fait que je rencontre dans une société qui est très intolérante. Côté Mounio, pas toléré qu'on va rencontrer avec un président, soit le rencontrer avec lui, c'est manger ou manger, c'est job ou le derrière. Yo salambé moi sur les réseaux sociaux et sur les médias parce que je suis allé rencontrer le président. Troisième fois, monsieur Rilem, pour t'en rencontrer, même dit monsieur, ah, alors me dit chef cabinet là, dit président, pas de problème pour me rencontrer. Mais pas rencontrer ni la KLI, ni le palais national. Et parce que trop critique pour moi et pour rien, finalement, nous ne va jamais rencontrer. Même moi, je parle avec le téléphone.
Maintenant, qui président était qui est été? Sincèrement, je ne suis pas le monde qui est proche pour me capable dire qui est été. Mais je suis capable de dire deux traits de caractère que je dis dans le journal. Je dis un trait de caractère on est qui était besoin de rappeler tout le monde que c'est lui le président du pays d'Haïti. Le parle avec lui, il est toujours dit c'est moi le président. C'est moi le président. Je dis, mais dans tête, moi, je dis, connais le président déjà, parce que dans le fauteuil, là, c'est lui qui a pris des décisions. Mais il faut le rappeler ça. Pour moi-même, c'était l'expression d'un certain complexe, quelque part. Ou bien, tout ça. Et dans mon cas, même moi, c'est une frustration même que je dégaine. Absolument. Écoutez que le sorti, excusez-moi, c'est pas. Ou bien, pour gens que peut-être qui étaient au c'est de vous dégager le tout. C'est exactement ça. Et c'est ça que je vais dire là, plutôt, vous comprenez très vite. Moi, je viens de comprendre par la suite que le président. T'as besoin de Timounio, pas garder mon camp paysan qui sont en dehors, bien loin, et etc. Je dis à ce président mieux. Donc, pas venir garder mon drôle, monsieur le président. Parce que justement, tu as des rapports un petit peu comme ça avec des gens qui sont proches, qui te considérés comme un petit paysan, ils viennent mettre le président, donc il faut le faire volonté, les gens qui te mettent là. Donc, il faut le rappeler de temps en temps, c'est lui même qui doit faire ceci, c'est lui qui doit faire cela, c'est lui qui a décidé, et la marché selon agenda, pas selon agenda, pas monde. Ça, c'est un trait de caractère que m'était ouais, la Kaili. Deuxièmement, c'est un trait de caractère que en pile monde qui t'a rencontré le partager. Leur rencontre avec lui, c'est lui parler seulement. Il n'y a pas temps pour parler. Il compte tout le bagaille. Il a exprimé lui sans jamais avoir temps pour placer. Sous une chance de placer une phrase ou un mot, c'est ça. Mais lui-même, c'est lui qui a parlé en pile. Et peut-être pour chercher convaincre le monde, on est capable de dire. Et enfin, on est capable de dire, c'est un monde qui était pour moi têtu. Et quelque part, il était têtu parce que il n'est pas tenté. Président, il est enfermé dans des décisions que le voulait prendre, mais il n'a pas gagné une expérience de la vie politique en Haïti. Contrairement à moi-même, qui fait 25 ans, 30 ans presque à faire journalisme, moi, ça fait un chef d'État tomber, moi, peut-être ça fait monter tout. Mais moi, en pile difficulté que dans le pays, à qui ça fait ça? Parce que Haïtiens sont un peuple qui n'est pas facile à gérer, son peuple rebelle, son peuple fort contre prison pour parler avec lui. Mais Jovenel lui-même, pas de sagesse, ça, malheureusement, il est têtu. Première déclaration que le TFM songe, il peut quand même installer sous pouvoir, c'était dans le sud, dans le carnaval qui prend le fait, il dit, le président a parlé, point barre. C'est un monde qui va maîtriser la société suffisamment. Deuxièmement, qui te manque une dose de sagesse. Pour qu'on ait un président, ce n'est pas bon Dieu, même s'il te dit pendant un certain temps que c'est après Dieu lié. Donc, ce n'est pas que le président parle, point barre. Le président peut parler, peut prendre une décision, mais il a changé pour le bien de son peuple, pour le bien de sa nation, la nation qu'il dirige. Donc, pour moi, il était têtu, il n'a pas voulu céder à Moun. C'est peut-être même complexe ça que tu es traîné derrière lui. Parce que s'il cédait à ou même ça veut dire qu'il est faible, et il y a entouragé tout qui n'a pas encouragé à faire des concessions. Et, bon, malheureusement, discours, propos qu'il tenait, et il fait le plus ennemi toujours. Et nous arrivons dans la nuit 6-7 juillet 2021. Bon, est-ce que réellement que et la nuit 6 juillet prend majorité peuple haïtien par surprise. Bon, tout le monde connaît que bon, avec l'élection, pas même très difficile, tout le monde connaît monsieur il va faire élection le délai que le terrain devant lui parce que bon même les tout le monde découvre, tout le monde dans la société a découvert que madame se définit 7 février 2021 et que l'air que bon, avec Poulon, grâce au mandat que même 7 février 2022, pour Jean-Pierre Yatéa, il y a un autre monde qui découvre que vraiment il n'a pas arrivé à faire élection. Mais l'autre des nouvelles, est-ce que réellement ça qui passe là, et selon même l'idée prévisible, ou bien que même si ça va passer, nous allons avoir bien chasse pour dériver ce février et 2022. Restez sur vous. D'accord. Je ne sais pas que nous avons dit que la mort, ça, par assassinat, ça a été prévisible. Non. En tout cas, il n'y a pas de jamais d'imagination du tout, nous-mêmes. Parce que dans la logique, dans la logique politique, PAM, au cas où remarqué que Clarence Renoir, c'est au monde d'ailleurs qui est victime de sagesse politique. Puisque je parlé de dialogue tout le temps, je rencontré le président Jovenel qui invitait comme homme politique pour parler avec moi. Donc, pour moi, c'est le dialogue. Et il y a des gens qui ont pensé que l'argent à faire politique là, pas bon, parce que ou pas montré assez violent, ou pas montré assez catégorique dans la position. Yo. Pour Haïtiens, un monde qui a fait politique de un monde qui est violent, qui a un discours violent,
Et m kapab tou mwen mwen fè eksperyans nan vreman. Ou lider politik ki di l pral krasi, l pral bouzi, l pral boule, li gen plus suksè ke mwen mèm ki di dialog. Ke mwen mèm ki di fok a yi se chit ansan pou yo diskute pou yo joun solusyon a la miyab kap durab pou sosyete a. Lider politik ki di li mèm, li pa nan dialog avèk moun, se manifestasyon, men li gen plus suksè. Donk, men de la a pense ke tabal gen yon asasina ou prezident, jamais pas penser ça, pas imaginer ça. Non, est-ce qui ça fait assassiner, moi pas connais. Qui est-ce qui a assassiné, moi pas connais. Et moi prends nouvelle là pendant mon Israël, son choc parce que moi j'ai 7 heures de temps en avance par rapport à Haïti et m'a parlé avec au monde, il était 9h30 du matin, mon était 2h30 à Haïti, qui a dit ah, il y a bon problème là tel côté dans Pèlerin 5 à président. Et puis effectivement, par la suite, je connais le président Mourin, c'est un choc que lié pour le président Mourin assassiné de manière aussi violente et au patin de gagner un policier qui a gardé le qui mourit, qui défendit, etc. C'est un peu bizarre. Donc c'est là et que je suis choqué et puis je suis capable de dire, et l'homme va reprendre contact un petit peu avec Port-au-Prince pour me connaître qui s'est passé là. Plastisie, effectivement, va passer une nouvelle. Pas aucune manifestation faite dans le pays pour dire non, ça va être le fait. Non, jusqu'à présent, 8 jours après, pas rien n'est passé. Encore là, son choc lié pour moi. Deuxième, troisième élément de choc, c'est la lutte pour le pouvoir tout de suite que moi qui déclenchais, mon cap chercher à accaparer le pouvoir, sans chercher à comprendre sa privé, sans chercher à mettre haïtiens ensemble dans le dialogue, encore une fois, pour que nous disions non, face à la crise, puisque pas une solution constitutionnelle pour lui-même là. Nous avons une période de grand flou politique par rapport à l'Amora et le fait que vous êtes dans une période que tu es président, après l'Amora, pour nouveau premier ministre, nouveau premier ministre n'est pas encore installé, c'était avant le comité primaire pour retirer l'école, etc. Ou pas bien une chambre des députés, donc ou pas bien l'Assemblée nationale. Président, cour de cassation, à peine mourit. Non coronavirus, donc on a un grand flou politique et puis autant de ces goumen gain pour pouvoir beaucoup plus que ou ta une démarche qui est capable de faire consensuel haïtien patriotique nationalisme peut-être non. Donc ça c'est les chocs que vous me prendre à distance et m'a suivi et m'bra le voyer bah autour d'ailleurs ouais message que message parti politique unis envoyé et que message personnel moi-même que m'envoyer dans clip vidéo d'une minute et demie pour montrer que nous-mêmes nous croyons que c'est sur le dialogue qui a résolu la crise. Ça. Oui, parce que c'est là d'avoir arrivé, et quoi, tout ça est dit pour causer, et pour flou politique ça. Parce que réellement, que c'est même une honte. C'est ça qui a passé là, que bon, cadavre, monsieur, il faut même enterrer monsieur même. Et que même que je m'en sur le site et sur quelques tweets, et même que je vois un constat sur la radio qui dit que deux premiers ministres, que bon, il y en a d'autres, que bon, devant étrangers, que. C'est ça, le salambil, salambil, monsieur. Ça que, bon, que y a un truc que me dit comme ça. Et que, vraiment, que c'est vraiment une honte. Et que, Alens. Totalement, sans honte liée, parce que nous montrer incapacité, nous-mêmes, pour nous gérer l'intérêt national, dans le sens intérêt de tout le monde, dans le sens intérêt de la majorité. Ça, c'est la première faiblesse, nous, dans la question. Nous besoin, et que. Haïti représente pour nous centre d'intérêt nous toutes. Ce n'est pas intérêt personnellement qui pour privilégier, pour prévaloir sous intérêt Haïti. Et malheureusement, ça nous dit ouais, que une fois que le président mourit, ou sorti tout à l'heure là, le cadavre là encore chaud, il pourra garder des mouns qui ont gommé pour lui-même sans chercher explication sur sa crivia. Et aussi sans chercher une solution consensuelle. Parce que plutôt. Deux semaines avant le président Moïse, si je suis capable de bien situer, ça m'a bien comme ça, et une mission organisation État américain au RTV en Haïti, et qui fait 3 jours en Haïti, du 8 au 10 juin, non, c'était un mois avant, et deux semaines après, il sortit le rapport, li, et dans le sorti rapport là, il dit faut que les Haïtiens fassent dialogue, c'est Haïtiens qui résout la crise politique, ça, faut que les entente qui jouent entre Haïtiens. Et pour que nous capables à l'élection. Et malheureusement, le dialogue n'a pas fait. Moi, je pensais que c'est une gros erreur que le président Jovenel Moïse fait, il n'a pas encouragé et fait dialogue la vraie. Évidemment, ça ne va pas dépendre de lui-même uniquement pour faire dialogue la faute
au moins ou deux mondes. Il faut que les gens qui veulent le dialogue là. Et m'a rappelé, j'ai eu une tentative de dialogue que Jean-Henri Séant a fait, 22 janvier 2019, qui était dans un centre de convention BRH, la ville de Port-au-Prince. Le président vient intervenir, le président dit qu'on s'appelle bon, moun boule de ouéla ou baoué, ça le dit dialogue, ça va bon. Il y a eu que tout devant tout le monde. Devant tout le monde. Moi-même, j'ai présenté ça, d'ailleurs, j'ai intervenu là-dedans. Et que vous avez depuis le Satou, tout le monde demandait ce qui a été tombé. Voilà. Donc, président, pas sous dialogue, opposition, ça qui est l'opposition radicale là, pas sous dialogue là-tout. À partir de ce moment, effectivement, le dialogue devient difficile à réaliser. Mais je dis, c'est une opportunité malheureuse. Parce que l'opportunité, c'est la mort d'un homme, d'un président de la République, qui n'a pas aucune explication sur lui, cadavre en coq chaud, première dame prend balle. Et où l'on regarde, analyser l'environnement qui menait à l'assassinat, qu'on n'a pas de questions qui étaient sans réponse et qui n'a pas encore une réponse. C'est le moment pour nous faire un dialogue, effectivement. C'est le moment pour nous réunir les différentes forces politiques du pays. Que le Premier ministre président n'a même pas installé, que le Premier ministre qui était en fonction, qui démissionnaire, que le président Sénat et l'autre monde encore, c'est le moment pour nous faire un shit attendu entre nous-mêmes, haïtiens, pour nous dire on ne peut pas quitter ces étrangers qui viennent nous leçon, on nous garde ça nous capable de faire. Et c'est ça qu'on rejoint dans le message que nous voyons là-haut sur le téléphone. Est-ce que nous avons dit que. Et si tout ça, c'est la même famille politique là, qui nous prend un petit peu de Jean-Pierre de là. Et bon, parce que si le président est nommé Henri, que bon, quand même, c'est un monde que vraiment que fait confiance. Même les monsieur pas membre PHTK, même les pas membre PHTK. Mais que. Est-ce que c'est pas, ou pas dire que c'est la même famille politique là? Tout pour le nom de la famille PHTK? Oui, bon, certainement, en la famille PHTK, il y a un pile problème. Et le problème, c'est avec Jovenel tout lui-même. Et cependant, moi-même, je me dis que, il y a quelques mois de ça, 3 ou 4 mois, je me dis que Jovenel, c'est du passé, dans le sens que il n'est pas entré dans la période politique. Il faut que nous gardions, par là, en termes de pays, pas garder les problèmes en termes de Jovenel, mais garder en termes de pays. Bon, je dis, c'est le passé. Quelle que soit la considération qu'on a fait, Jovenel, c'est le passé, il mourit, c'est fini, c'est officiel. Donc, qu'on y a, c'est le pays pour nous garder. Côté dans le PHTK, côté dans la Valas, côté dans l'Union, côté dans la fusion européenne, eh bien, on a des pays ensemble. On a des qui sont capables de faire. Parce que je dis, plutôt, il y a plusieurs menaces au pays. Une menace de guerre civile, ou qu'on est qui sa gang a fait dans Port-au-Prince. Gang qui fédéré, gang qui gagne pile zam nan yo, qui exhibe, qui montre moun zam nan yo. M'attend une déclaration que Jimmy Cerise Barbecue fait côté dit gang nan yo, an met tête nous ensemble pour nous affronter moun yo. C'est vrai que les cibles beaucoup plus sales, ça les siwo libanais et bourgeois yo, mais on a un danger de guerre civile dans le pays, là, premièrement. Deuxièmement, on a un danger d'intervention internationale. Même membre gouvernement qui l'a. Avec Claude Joseph, mander les États-Unis pour voir les troupes en Haïti pour venir sécuriser port aéroport et pour permettre que le capable faire élection. Donc, il y a des problèmes sérieux. Donc, pour moi-même, problème, ça a demandé. Et c'est peut-être ça, en tant que président Parti Unir, nous lançons un appel, nous dit il faut que les forces de ce pays, forces politiques, économiques, religieuses, et spirituelles et autres, nous réunissent ensemble pour nous capables de joindre une solution à l'haïtienne qui pour éviter ni par la guerre civile, ni par une intervention étrangère, mais nous capables de reprendre. Destinons en main pour que nous ne perdions pas la souveraineté. Oui, mais est-ce que la solution ça ne va pas tant pour l'entendre encore? Non, mais c'est une solution. Le dialogue 14 et Clarence. Est-ce qu'on va pas tant pour l'entendre encore? C'est déjà et plus qu'une semaine, avec qu'on va piquer son pays et que ce n'est pas avec la mort de M. Jovenel Moïse que nous avons un climat d'instabilité. Nous avons dit que c'est toute l'aile. Et Jovenel Moïse là, parce qu'avec des manifestations, etc., que le pays fait combien de jours pour fonctionner, et même des mois même, on. Est-ce que nous ne pouvons pas attendre pour longtemps encore? Non, évidemment, nous ne pouvons pas attendre pour longtemps. C'est peut-être ça moi-même, nous pensons que jeudi, il faut faire rassemblement ça en Haïti. Ou en Israël, ou en Israël, je dis. Oui, même, alors même, c'est Youmoun. Mais le pays fonctionne, il y a des rencontres qui étaient faites, etc., qui mal tournées. Moi, je pensais que
unir malgré que en Israël n'a fait interview ça là, on fait interview avec plusieurs radios toi en Haïti qui rele pour m'en dire qui ça me pensait et moi répéter au même bagarre, il faut que les forces politiques se réunissent, unir par résumé à moi-même. Il y a des dirigeants de parti qui en bas, qui cavalent la réunion ça, et qui apportent le même message que l'on apporté. Donc, nous avons besoin, sans perdre du temps, effectivement, de faire une rencontre inter-haïtienne, et pour un dialogue inter-haïtien, pour nous jouer une solution haïtienne. D'ailleurs, l'autre jour, là, dimanche dernier, il y a une mission des États-Unis qui vient en Haïti, et maintenant, conclusion, rapport, il dit il faut haïtien au capitaine ensemble pour parler. Il faut que Claude Joseph, il faut que Ariel Henry, il faut que Joseph Lambert et les autres forces politiques réunissent ensemble pour jouer une solution. D'après sa nouvelle là-bas, oui, il a rencontré. Il semblait que, à partir de tweets que nous avons appris, il semblait que il y a un an pour ça, même qui même tourne avec le poisson, avec les injures. Oui, si nous faisons confiance à tweet que Joseph Lambert, Ambès Ferro, il a une difficulté dans la rencontre. Donc c'est dommage, et c'est ça qui est toujours caractérisé aux relations politiques dans le pays d'Haïti. C'est des conflits irréconciliables. Côté des fils et des filles de même nation, ils sont considérés être un ennemi juré, et puis ils n'ont pas capable de parler entre eux-mêmes, ils sont obligés d'entrer dans l'invective, dans le propos des obligeants, etc. Alors que l'intérêt d'Haïti, je dis à là, c'est éviter que une guerre civile et éviter une intervention étrangère qui fait dans le pays, chercher à relancer le pays. Prends occasion malheureuse de la mort de Jovenel Moïse là, pour nous relancer un dialogue réel, pour nous entrer dans la réconciliation et pour nous pousser le pays à sauver la démocratie et développement à progrès. Et paraît-ce que, bon, dans les communautés internationales, c'est que les États-Unis, ils continuent à cléonner l'élection pour le mois de septembre. Ils libèrent pour l'élection. Mais dans le climat, ça, est-ce combien de temps on pense que nous avons pris pour nous organiser vraiment de vraies élections en Haïti, côté que, bon, que gagnent, au moins que bon, l'État vraiment qui est capable de neutraliser. Côté que vraiment mon monde va participer, il y avait une élection libre et honnête. Et que combien de temps va se faire prendre? Moi-même, je pose la question ça, non seulement comme ancien journaliste et comme chef de parti. Ok. Alors, comme ancien journaliste, je ne sais pas, moi-même, si je suis journaliste, c'est en adaptant que vous faites l'élection pour me faire travailler. Moi, je n'ai aucune influence sur que vous faites ou pas faire. Mais je parle plus en tant qu'homme politique, je veux dire, la chef de parti qui a intérêt dans l'élection. Il faut l'élection ta faite pour mal à l'élection. Moi-même, c'est ma candidat pour partir à l'élection, etc. Cependant, l'un des réalités, je ne suis pas un expert en élection. Tout. Mais je suis capable de dire, 6-7 mois qui étaient là, trop petit pour faire l'élection, vraiment. Et techniquement, dans un pays même normal. Maintenant, ajoutez sur ça, il y a un problème de sécurité qu'on s'est évoqué là. Ou pas qu'à faire élection dans un climat d'insécurité comme ça, à côté, un candidat pas qu'à sortir pour aller faire campagne, et un électeur qui n'a pas qu'à sortir lui-même pour aller voter jouer élection. Parce que élection, fondamentalement, on fait pour deux mondes, candidat et électeur, qui va produire des élus, qui va diriger un pays. Bah ouais, dans condition ça de insécurité en cas de faire élection, regardez Port-au-Prince, il y a 4 départements pays qui sont bloqués, qui ont fait transporter matériel électoral, qui ont fait sortir d'un point à l'autre et pour en faire campagne, moi même si mal fait campagne dans le sud, dans le pays, comment mal faire aller. Donc voilà la difficulté. Deuxièmement, au grand problème politique qui posait. Déjà, au grand problème avec CEP, on est capable de dire de crédibilité de organisme, institution qui a fait élection. C'est le conseil électoral. Est-ce qu'on a quitté le même conseil ça? Bah quoi, elle est possible. D'ailleurs, c'est ça qui a créé plus politique, plus crise politique, un conseil électoral qui montait dans n'importe quelle condition à faire élection avec. Troisièmement, on a besoin d'un corps politique. Qui est-ce qui prend l'élection ça? Pour qui est-ce qu'on va faire l'élection ça? Est-ce qu'on est capable de dire qu'on va faire l'élection tout simplement et puis on fait pour deux ou trois partis politiques qui prennent la pour continuer? Non. Il faut qu'on crée conditions pour que on attire plus de monde dans l'élection. Mais enfin, un grand bémol et plutôt. Et si n'a cherché conditions idéales, nous pas jamais faire élection dans le pays d'Haïti. Parce que nous pas qu'on a jamais une condition idéale. Et travail pour déraciner gang yo, li doit en prendre en pile temps toujours pour retirer gang ça au côté ouya, pour déloger yo, pour désarmer yo, pour démanteler yo. Ça aurait des programmes de désarmement et réhabilitation. Ça prend plus de temps. Est-ce que nous sommes capables de faire ça dans un mois, dans deux mois pour l'élection à la fête clean? Est-ce que nous sommes capables de faire ça dans un an ou deux? Nous sommes entrés dans une longue période de transition, côté où pas un dirigeant légitime sous pouvoir et où va prolonger la crise dans le pays. Donc, il faut nous jouer un moyen terme quelque part.
entre le temps long et le temps court, pour joindre le temps moyen, pour que nous organisions l'élection. Mais ça prend un accord. Il faut un accord côté tout le monde, ou en tout cas la majorité du monde, pour tomber d'accord sur lui-même pour dire oui, ça est possible. Nous ne pouvons pas faire l'élection dans 6 mois créé là, mais nous ne pas prendre 2 ans pour nous faire tout, nous prenons 9 mois, nous prenons 1 an pour nous faire. Maintenant, 1 an, mais qui feuille de route qui prend le gain pour nous faire, etc. Ça, pour établir marche à suivre ça, il m'a des sérénités, il m'a des calmes, il m'a des pour tout le monde, chita ensemble autour d'une table, les chefs de partis politiques, les organisations de la société civile et autres, pour que nous déterminions ensemble qui temps nous va le prendre pour nous faire élection. Il y a car il est indispensable pour gagner élection, parce que dans notre démocratie, il faut que y ait des dirigeants élus qui prennent diriger le peuple là, qui prennent bien légitimité pour prendre des mesures, qui prennent bien légitimité lorsque vous proposez un programme de société, un projet de société, il va l'appliquer. On ne peut pas arrêter notre transition éternelle, car la transition, il n'y a pas de solution tout à problème pays. Mais que Charles Menti fait de route le gouvernement de transition à Tatouigan? Eh bien, je suis cité là, le premier fait de route là, c'est mettre sécurité dans le pays. Là. Et je ne sais pas si la police haïtienne a suffisamment de force, je ne connais pas. Et pour le faire pour compte, on a besoin que nous ayons des accompagnements de coopération internationale avec nous pour faire des armements. Deuxièmement, on a une question sociale pour résoudre. Question sociale, son population aujourd'hui qui a une misère en pile, qui a un problème en pile. Il faut qu'un gouvernement transition ait comme feuille de route, une façon pour lui soulager la misère du peuple. Et moi-même, je n'ai pas demandé, pas d'avis, que pour société a demandé un gouvernement provisoire pour faire justice, par exemple, sur la question pétro-caribé ou corruption. C'est un gouvernement établi qui a un mandat en main, légitime, qui va entrer dans une question comme ça. Mais il y a des questions pressantes, il faut qu'on garde quand même. Et ou gagner, par exemple, la question politique là, aspect politique là, si un gouvernement provisoire vient, il faut qu'il rebatte 4 là, pour qu'il permette que plus de monde qui va entrer dans la course électorale là, pour gagner un candidat. Il faut poser des conditions, il faut un convoi électoral, etc., etc. Donc, il y a un travail qui peut faire que un gouvernement de transition a commencé à faire, mettre l'ordre dans la finance publique pays, pour dépenser un paquet de l'argent pour comme ici, que nous n'avons pas gagné déjà d'ailleurs, ça va capable permettre que nous prenions un petit temps pour réorganiser l'institution SAIO et permettre que nous vivions, après les élections, dans une relance de la démocratie. Mais est-ce que vous passez une année après pour entrer dans le gouvernement ça? Non, vous connaissez, c'est peut-être une mauvaise compréhension, mais nous avons toujours gagné, parce qu'un parti politique li a opiné, c'est un poste qu'il a besoin. Nous-mêmes, nous disons qu'il a besoin de poste. Le seul poste qui est intéressé, nous, c'est le poste électif. Yo. C'est-à-dire, nous allons à l'élection pour magistrat, population élu nous. Dans l'élection pour législatif, sénateur ou bien député ou élu nous, eh bien, nous sommes bien contents. Eh bien, nous, président tout, nous sommes bien contents. Nous entrons dans le gouvernement légitime, légal, constitutionnel. Maintenant, quant à un gouvernement de réconciliation, d'union nationale, qui vous permet de nous préparer le terrain pour dans l'élection, eh bien, nous pensons que c'est un travail nous a quitté à des mondes qui n'ont pas gagné intérêt politique direct. Parce que souvent, on est qui gagne intérêt politique, l'idée sur le candidat, ou mettez le gouvernement. Ou pral le même risque que Nex a fait des ordres dans l'État pour le Kababoué, c'est la tirée de la boîte côté pour le venir et gagner l'élection. Donc, il faut nous retirer le secteur politique. La net, tout le monde qui a ambition pour aller dans l'élection, vous voyez le monde dans l'élection, ou pas d'adouer dans le gouvernement d'Union nationale. C'est pour quitter lui à la société civile là, pour le diriger, pour le capable faire jouer là le plus fair possible, le plus équilibré possible. Qui veut que le Clarence soit capable de dire que on voit que quand pile bagaudi là ou bien majorité dans Saoudi ou là pile monte à monter dans même sens là. Mais le problème qui se pose le n'a pas été situation pays d'Haïti ambition nous tout monde et en ce monde que nous gagne que avec le problème émotionnel que nous gagne nous pas capable de chiter ensemble et avec que nous voulons toujours après nous c'est nous-mêmes parce que nous voulons que nous pas vivre que nous voyons que après expérience pour nous capable on se de l'autre monde tout chasse en d'un pays pour faire expérience pour voir que parce que nous était quoi que pays a gagné monde là-dedans il y a monde là-dedans toujours mais sauf que monde ça yo yo pas avoir une chance vraiment vrai que au moins que pour aider pays à aller dans la bonne direction mais est-ce que vous pensez vraiment définitivement n'a débouché son gouvernement
de transition, parce que normalement, que c'est Claude Binem, déjà que les positions de là, que bon, les mêmes dit que les prêts pour faire élection, et que bon, même l'air que qu'on n'est pas capable de faire, le délai que l'on a de là, ouais, mais est-ce qu'on pourrait que vous pensez que, avec des masques que fait, rencontre que nous avons eu, nous avons eu des gens qui vont dans le gouvernement de transition, ça, qui réellement qui n'a pas gagné, et qui pas gagné, qui réellement qui n'a pas une grosse ambition politique, l'avec l'équipe après la tour pour nous et des élections que nous avons gagnées dans le passé, qui étaient très manipulées. Bon, c'est toute la question, c'est toute la difficulté aussi de joindre un consensus. Et je pense que c'est grandeur d'âme haïtien, chaque monde qui dans le pays a, qui a un rôle de direction à travers des organisations, des associations, pour nous garder qui meilleure formulation nous capable de joindre, pour que effectivement nous avons un gouvernement qui inspire confiance à tout le monde, qui n'a pas de force côté, et qui prend une charge pour faire élection effectivement dans le pays. Je pense que son travail, un travail comme ça, il est nécessaire. Il est difficile pour y réaliser, ou soit expliqué là, et plutôt, moi-même, pas qu'à nier, il est difficile pour mettre Haïtiens chita ensemble, effectivement. Mais son GFO, nous obligé de faire. Nous obligé de continuer à faire plaidoirie, ça, parce que si nous allons faire plaidoirie pour Haïtiens chita avec Haïtiens, puis on parler, qui ça nous va le dire? Nous allons dire plein non, nous allons côté Zam dans nous. Pour tuer un président au pouvoir. Nous allons côté Zam nous, avec des gangs qui envahi capitale là, qui bloque quatre départements en relation administratif et autres avec Port-au-Prince, parce que gang envahit zone Martissant, Carrefour, Fontamara, etc. Donc, nous besoin effectivement des gens qui ont courage pour dire tête, mais bon, nous retournons dans le chemin d'Abraham, il n'y a pas bon pour le pays, en entrant dans le chemin de consensus, côté nous sommes capables de mettre tout l'intérêt nous ensemble pour nous travailler pour le pays. Et que, à l'aide de ceux que vous connaissez, que vous avez un message pour les peuples haïtiens, dans le moment ça, qui c'est les peuples haïtiens qui sont dans le pays, qui sont dans la diaspora, et qui message vous avez? Et, premièrement, plutôt, madame, si vous êtes capable de jouer dans le programme, et le clip, une minute et demie que vous voyez, c'est l'idéal. Peuples haïtiens. Dans nos PAM, dans nos partis unis, nous saluons l'autre fois encore mémoire président Jovenel Moïse. Nous saluons madame, petite, ak famille. Nous partageons peine, ak peine toute nation. Moment à vivre là, triste en pile. C'est un moment qui m'a dit calme, réflexion, solidarité ak unité. Moment ça, c'est un moment de deuil. Car Jovenel Moïse était président tout haïtien. Ça te vote il ou ça pas de vote il? Nous prenons ça pour nous réfléchir sur l'histoire nous comme peuple, réfléchir sur ça qui arrivait, fait nous arriver dans la situation ça. Tout y un président pas doué dans jouet politique là. Tout jouet c'est jouet, cochette pas la dalle. Réponse à ça qui passe à pas joindre dans violence, chiripit, division, ak bataille pour pouvoir. Réponse là c'est dans travail ensemble pour mettre sous pied un pays côté la justice existait, un pays côté nous pas servir avec zam pour touiller propre frein ak sen. Un pays côté tout le monde égal égaux. Comme premier pays noir indépendant, nous devons montrer le monde entier que haïtien grand monde, nous ca chita parler, nous ca refaire l'histoire dans l'union tête ensemble dans l'amour dans réconciliation. Haïti pas péri, nous ca travail main en main. Haïti pral changer, nous ca reprendre dignité. Haïti c'est un bel pays. Haïti c'est un pays qui a une belle histoire, la plus belle dans la paix, l'union à réconciliation. Merci en pile. Mais on va résumer le bout. Nous dit que premièrement, nous saluons mémoire président Jovenel Moïse qui mourit. Nous pas de jambes dans Jovenel Moïse, nous pas de jambes dans PHTK, mais nous pas des adversaires farouches. Nous saluons mémoire li et nous saluons et voyez sympathie by madame ni famille ni et toute nation en général. Parce que moi jusqu'Israël, faut me dou me croiser des monde dans la rue qui a dit mon cher, quelle catastrophe pays ou là. Qui drame qui vient dans le pays là comme ça, qui tragédie qui vient dans le pays là. Donc tout le monde touché par question ça. Et deuxièmement, moi mandé peuple haïtien me dit tant que n'a vivre là qui sont temps de deuil que lié quelque part, faut nous profiter sur lui-même pour nous réfléchir sur passé nous, sur présent nous et sur avenir que nous devons construire ensemble. Message ça, il sur page Facebook moi, il sur page Twitter moi, moi voyer le sur WhatsApp ba monde et moi mandé
que pour nous entendre nous vraiment entre nous-mêmes. Il faut faire sacrifice. Si nous avons dit que la reine, ce que nous avons, c'est même qui empêche le pays à marcher, il faut retirer quoi? Mais il faut que j'ai courage pour me dire, OK, je vais me retirer comme qu'on y a là, je vais quitter le pays à marcher. Ça m'a dit à là, je voulais dire pour les gens qui ont le pouvoir, pour les gens qui ont cherché à saisir le pouvoir. C'est mieux qu'il faut penser à Haïti d'abord. Diaspora, nous avons dit un bagaille. Malheureusement, en pile fois, nous avons que des choix que nous avons fait dans le pays qui n'est pas bon. C'est-à-dire, les gens qui ont un discours violent, les gens qui ont un discours démagogique, c'est les gens qui ont un soutien à une série de gens, que ce soit dans la diaspora ou dans le pays. Il faut que désormais, la diaspora réfléchisse bien. Parce que la diaspora a un gros pouvoir pour les influencer sur ce qui va passer dans le pays d'Haïti. Mais il faut faire le meilleur choix qui gagne hein, pour le guider les gens dans le pays pour qu'ils choisissent pour faire. Car, là, nous faisons mauvais choix, yo, tout le monde paye les conséquences. Là. Donc, souhaitons, c'est que le pays arrive à jouer une stabilité nécessaire avec des dirigeants sérieux, honnêtes, crédibles, qui prennent le travail pour faire réconciliation. C'est ça, moi-même, dans l'Union, ma poney. Merci beaucoup, Guy. Et Buto. Qui est que, Clarence, que nous avons remercié pour le fait que nous sommes mettons disponibles pour nous, pour répondre aux questions, et les questions de la radio de solidarité qui sont radio catholique, et que, bon, réellement, que, bon, et que Radio Sa, que c'est Bishop Sosaï qui dit lui. Et nous avons M. André Pierre-Tour qui a vrai avec serviteur et plutôt, voix de top. Nous comptons que vous ne pouvez gagner parce que réellement que nous toujours sur vous. Et réellement que position que vous prenez, nous croyons que oui, c'est sûr que il y a des gens qui sont capables. Mais quand il y a des gens qui croient que position que vous prenez, des positions justes dans la crise là, parce qu'on ne peut pas prendre après la mort de Jovenel Moïse, parce qu'on est toujours pour nous, ça veut dire, on dialogue, parce que réellement, que si nous ne pas dialoguer vraiment, vous que nous allons casse-couter, que nous allons aller, parce que même nos familles, même nos familles, si pas un dialogue, c'est avocat, c'est pas avocat, c'est Ougan, c'est Ougan, parce que quand nous avons beaucoup d'affaires, parce que c'est de même que Haïti, et malgré Haïti, dans cette situation-là, l'irrité qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de monde vraiment qui est utile. Mais ce problème-là, c'est si tu es ensemble. C'est si tu es ensemble, mais on est ensemble, qui ne peut pas faire la même dame d'où. On est ensemble, pour pas seulement c'est l'agenda par là, le bagage là, intérêt par là, que pour moi, quand on va voir l'autre là. Il veut que Clarence, que nous souhaitons vraiment bonne chance, et que, merci. Et comme un leader politique, et que nous souhaitons Haïti bonne chance tout. Ouais, parce que non. Et parce que quand même que, pour dire, après tout ça qui passe, il y a plein de monde qui croit que Haïti, que les gens pour l'être des 60. Parce que nous sommes encore là, depuis que nous vivons. Mais que réellement, pour nous l'être là tout, il faut nous accepter pour nous chiter. Parce que divergence est importante dans la société. Ouais. Parce que divergence est comme une source de richesse pour nous. Qui fait que Clarence, que nous connaissons que bon, ou pas plus tard que vous retournez, nous continuons à souhaiter vraiment un très bon séjour en Israël. Et c'est sûr que l'on retourne à Haïti tout, nous avons une chance que vous nous parlez avec vous, que nous avons déjà rappelé tout pour nous, que l'émission ça, la passe dans Kebo Vision qui est dans la Ghana, la passe dans Kebo Vision qui est dans New Jersey, la passe dans la Ghana dans la radio de l'Université, la soupe Facebook et Bishop et Saint-Sari. La soupade et Facebook et M. André Pierre-Tout, et la soupade et Facebook et Petit et Maman Rosé, Paroisse, Croix des Bouquets. Encore une fois, Clarence, un grand merci, et vraiment, c'était un plaisir que vous nous gagnions, que matin, pour qui parler ça. C'est frère. Plaisir partagé. C'est frère. À la prochaine. Frère Buto, pour la toile de la radio Télé-Strike. André Abondoué. When did come night, this I have been cherching. Thank you.
fin salti la pou la bay. Sa pou n'fè pou yo sot la bay. Mon chèt pou n'file, bi kwa pou n'pike yo. Pike yo. Pou n'flok yo de yo. La pou la bay. Sola levé, je nous l'ouvre bien clair. Danser dans la coulaga, y a fêté la coulaga. Si gain cou fêté, peuple a cou fêté. Papa. Moi attendez, ça y a dit son nom, oh, eh, oh. Je dis nous c'est n'est qu'à parler, mettez là. Je dis nous c'est n'est qu'un papa en rien même. Est-ce que c'est vrai? Étranger avec l'angle d'ouest sur nous, comme qui dit nous c'est la maillotte, trois blancs nous sous nous, nous bois bien sans main. Je dis pas qu'il n'est qui porte qu'en son encore. Oh, oh. Caché mais que mon boulot qui a travaillé pour demain, pour nous libérer. Ma dit chon coucou pas tout y épuisé, même des deux zèles ou mettre un secousse. Faut que j'en gratte, même si n'est rien qu'à. On jette de l'eau pour ça tombe, yo te mouri. Oh, oh, oh. Pour Haïti qu'a délivré.